Good morgen, Ali. Dans les tutos aujourd'hui, les Nishmat Amram, Yona ben Chana, Pegi bat Esther, Nissim ben Aouda, aussi de Rufuat, Rout, Pat Kulzin, Trainal, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Nishmat, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot, Perekret, Mishnah. Hey! Hey, Drabi Akiva, Meshum Nechemia, Ish Bet Deli. Shemasi in et Haisha Alpi Adechad. Hey, Drabi Yoshua, Latzamot, Shenim Seou, Bedir Haetim. אמרו חכמים מלקט עצם עצם והכל טהור. Deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, Eid Rabbi Akiva, Mishum Nechemia Ish Bet Deli. Rabbi Akiva a témoigné au nom de Nechemia, l'homme qui venait de la ville de Bet Deli, c'était le nom de la ville. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Shemasiin et Aisha Alpi Edechad, que l'on peut marier une femme à partir d'un seul témoin. De quoi on parle exactement? C'est un sujet amplement développé dans le Sechet Yevamot. On parle d'une femme qui a eu son mari qui est parti en Chutz La'aretz à l'étranger pour un an, pour deux ans, peu importe. Et puis, d'un coup, il y a un témoin qui revient de tel endroit et qui affirme que le mari est mort. Donc la femme est veuve et elle peut se remarier en théorie. Le problème, il est que selon la Torah, on a toujours besoin de deux témoins. Alpi, Shnaim, Edim, Akum, Dabar. On ne croit jamais un seul témoin. Le témoin solitaire n'a presque aucune valeur. Sauf dans un cas particulier, si vous vous souvenez, dans Maseret Shuvot, pour pouvoir faire jurer. Mais faire jurer dans les dîners mammonot, c'est très restreint. Tandis que donc, pour tous les autres sujets, il faut nécessairement y avoir deux témoins. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a rien du tout. Malgré tout, Chachamim, on fait une takana, de croire un seul témoin pour permettre la femme, la aguna en fait, la femme qui reste de rester toute seule en attendant un mari qui ne reviendra jamais. Alors Rami, on fait une certaine permission, c'est de croire un seul témoin. On a déjà aussi évoqué ce sujet, ils ont aussi permis de croire même quelqu'un qui est pas sous la doute. Alors, en l'occurrence, là, dans notre Mishnah, nous mentionnons juste le din de Edechad, d'accord? Un témoin unique, solitaire. Deuxième sujet de notre Mishnah, Eid Rabbi Yoshua, la tzamot shenimtseu bedir ha'etzim. Il a témoigné Rabbi Yoshua sur des os, atzamot, des os d'humains, qui ont été trouvés dans le dir ha'etzim. Le dir ha'etzim, c'est la salle dans la Hazara du Beth Amikdash, dans l'enceinte du Beth Amikdash, il y avait plusieurs parties, je ne sais pas si vous avez entendu, la Ezrat Nashim, Ezrat HaKohanim. Dans la Ezrat Nashim, il y avait là-bas, dans le coin, il y avait une sorte de petit hangar où on stockait les bois pour que l'on faisait brûler sur l'autel. Il y avait ceux qui les étaient corbanes le matin, le Shnei Gezir Etzim. On devait avoir du bois sans arrêt qu'il fallait alimenter le Mizbeach. Le premier travail qu'on faisait monter sur le Mizbeach, c'était justement de lui amener ces deux bouts de bois, ces deux bûches de bois. Et puis ensuite, il fallait entretenir, apporter du bois fréquemment pour pouvoir entretenir le feu qu'il y avait sur la Maharacha. Alors, là-bas, dans cette chambre de stockage où on stockait donc les bois, on a trouvé là-bas des os. Le problème, c'est que ces os, on ne sait pas d'où ils viennent. Ça se trouve, ils sont là depuis 200 ans. Ça se trouve, en réalité, le Beth Amikdash, il a lui-même été construit sur un cimetière. Éventuellement, tout est possible. Alors, en théorie, comment on aurait dû procéder? Il y a des halakhot bien spécifiques qui se retrouvent dans Maseret Ohalot. Celui qui, sachez que ça se trouve encore, c'est à la chôte, je vais vous expliquer après concrètement où ça se retrouve. Celui qui creuse et qui remarque un os, et puis après il continue à creuser dans un autre endroit un petit peu plus loin, il remarque qu'il y a un os. Il a le devoir de croire que, de douter, de soupçonner que peut-être en ce moment il est dans un cimetière. Et de ce fait, il a le devoir de faire une vérification selon de la chôte bien précise dans Maserhet Ohalot, de chercher s'il n'est pas en ce moment dans une shrunat gvarot, dans un lieu où il y avait plusieurs cercueils. Et donc de ce fait, il ne pourra plus construire sa maison, parce que s'il va inviter un Kohen, le Kohen il va devenir impur, on n'aura plus le droit. Donc il y a des halakhot, comment vérifier? Ça c'est en théorie. En l'occurrence, si on trouve des os, même dans la lishkat ha'etzim, dans le dir ha'etzim comme c'est évoqué, en théorie il faudrait faire une vérification de tout Yerushalayim, et dans le doute, soupçonner que tout Yerushalayim était en fait un cimetière. Et bien malgré tout, Amro Chachamim, les Chachamim ont dit non, mais la quête Etzem, Etzem ve'akol taho. Il ramassera, chaque os qu'il trouvera, il le ramassera, il ira l'enterrer ailleurs, et il n'y a pas besoin de vérifier tout l'endroit.
Ça implique là deux choses en réalité. Il y a tout d'abord ce qu'on a commencé à évoquer. J'ai commencé par la femme, c'est pas grave. Tout d'abord, ce que j'ai commencé à évoquer, donc qu'on va pas soupçonner que Yerushalayim en fait était un cimetière. Ça, c'est le coup là qu'on a fait, l'Ichvod Yerushalayim, de ne pas commencer à douter que peut-être que depuis 200 ans, on est en train d'apporter des corbanotes dans un endroit qui est tamé. Pour ne pas remettre en cause des évidences pareilles, on les réfute depuis leur source en disant « Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce que tu as trouvé, mais ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. » Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, j'ai oublié ce que je veux dire, je suis fatigué en ce moment. J'ai eu une fille récemment. Bedir Haetzim, je voulais vous dire comme ça, c'était, ah oui, le grand sujet, le sujet essentiel en fait, dévoilé par le Barthénora, c'est de nous dire que, en fait, en théorie, si on se retrouve avec des eaux, on trouve des eaux par exemple dans la rue, imaginez dans un lieu de passage par exemple, dans une petite allée à côté de mon immeuble, on trouve là-bas un os. Et bien en théorie, il faudrait soupçonner que toute personne qui est passée par ce lieu est devenue impure. De ce fait, tous les gens du quartier devraient être impurs, si toutefois ils sont tous passés par cette allée. Il faudrait tous les rendre impurs avec le devoir de se purifier avec les cendres de la vache rousse. Troisième jour, septième jour, c'est une longue purification. Pourquoi ? S'il y a un os par terre, peut-être que tout le monde a marché dessus. Et sur ça, malgré tout, Ramim ont dit que même sur ça, tout est taor, akol taor. On ne va pas soupçonner, donc comme ce qu'on a dit, on ne va pas soupçonner le fait qu'il y a peut-être un cimetière ici, et on ne va même pas non plus soupçonner que tout le monde est peut-être passé par cet endroit. Quelqu'un qui ne sait pas s'il est rentré dans cette allée ou non. Et bien malgré tout, là-bas, il fallait le rendre pur. Pour quelle raison ? Ça, c'est une règle qu'on connaît. Déjà, depuis la Mishnah précédente, on l'a déjà évoqué. On l'a évoqué très fréquemment. Safektuma birshut harabim, tahor. C'est-à-dire, si on a un doute, est-ce qu'on a touché une impureté ou non dans un lieu public, dans le doute, tu purifies. De ce fait, à Yerushalayim, là-bas, dans cette Lishkat Haetzim, le Dir Haetzim, l'endroit où se trouvaient les eaux, était un endroit fréquenté par du public. On était dans le Beth Amikdash, donc il y avait beaucoup de va-et-vient. De ce fait, puisque c'est un Rishut Harabim, si tu as un doute, est-ce que tu as touché ou non ? Dans le doute, on va dire que tu es resté pur, parce que ça fait que Toma, Rishut Harabim, Tahor. Et c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Moi, Dieu, Messimcha, Kautou, Sarah.